Bienvenue dans cette deuxième partie de Tueur en série spécial espion. J'ai avec moi deux espions, Sergueï Jirnov et puis, je prononce bien, c'est bon ? Oui, oui, c'est bon. Très bien. Et puis François Varou, pardon. Ils ont fait un livre ensemble, KGB, DGSE, je vous le montre, deux espions face à face. Donc un livre extrêmement intéressant à lire avec des questions sur une espèce d'interview, hein, donc de 200 pages avec des tas de questions qu'on se pose et auxquelles vous répondez. Et donc ce livre est en miroir avec deux séries que j'affectionne particulièrement, et vous aussi je crois d'ailleurs, qui sont The American et Le Bureau des Légendes. Le Bureau des Légendes qui est un bureau de gens qui travaillent sous couverture pour la DGSE, c'est-à-dire le service de renseignement français. Et puis The American qui sont en fait deux espions russes qui vivent à l'américaine pendant de nombreuses années pour récolter des informations pour la Russie. Et ça se passe pendant la guerre froide. Tout à fait. Alors, pour ceux qui n'ont pas lu le livre, que je vous recommande donc de lire, et qui voudraient devenir espion, j'ai quelques petites questions. Vous allez essayer d'y répondre assez rapidement. Alors d'abord, il y aurait, semble-t-il, fait partie du protocole des interrogatoires sous alcool. C'est-à-dire qu'on saoule un bonhomme pour voir s'il tient l'alcool. Ça existe ? Ça existe pas ? Non, ça n'existe pas chez nous. J'ai jamais... Je suis désolé de le dire. Ah bon. Il n'y a aucun intérêt, d'ailleurs, à augmenter la réalité. Non, je n'ai pas du tout entendu parler de ça. Et vous ? Chez nous, pareil, il n'y a pas d'interrogatoire qui sont prévus pendant votre formation. En revanche, il y a un bizutage. Il y a un bizutage que moi, j'ai subi. Oui. Parce que quand le clandestin, quand un illégal part dans sa première mission à l'étranger, la veille, nos généraux, organisent un petit gueuleton. Oui. Et donc, ils m'ont invité dans une villa à côté de notre quartier général du service de renseignement. Il y avait un général et trois colonels, ou deux colonels, et moi. Et donc, chacun de mes supérieurs portait un toast et je buvais avec lui. Oui. Donc, ils étaient trois face à moi. Donc, eux, chacun, ils ont bu un verre. Moi, j'ai bu déjà quatre, oui. Ou trois. Et ils se sont amusés à faire ça pendant tout le repas. Et après, j'ai compris que c'était un test. Alors, j'étais faire un reportage dans les zones de guerre au Donbass pour TV Liberté. J'ai demandé un jour à l'hôtel, hein, j'ai demandé une vodka. Je m'attendais à avoir un shot. Ils m'ont amené la bouteille. Bon, la bouteille. Donc, ouais. je peux reprendre ce que vient de dire Sergueï. Nous, on ne fait pas de bizutage, mais on passe devant des psychiatres ou des psychologues pour sonder notre cerveau, quoi, on va dire. Oui. Donc, avant d'entrer en action, les responsables savent très bien si on va tenir le coup ou pas. Hein. Bon. Et retour de mission, on repasse aussi chez un psychologue ou un psychiatre, je dis bien. Et donc la méthode est un peu plus douce que ce qu'on voit dans le cinéma. Il y a autre chose aussi, c'est que nous, quand on nous recrute pour nous engager sur cette voie royale, parce que pour nous, c'est l'élite des élites. Hein, c'est l'aristocratie. C'est l'aristocratie. Et donc, on recueille l'information, et donc il y a les indices qui sont autour de vous qui vont dire si vous avez un penchant pour l'alcool ou pas. Parce que c'est très important, parce que quand vous travaillez sous la couverture, comme François l'a fait chez les diplomates, bah, vous passez quand même votre temps à trinquer avec les collègues. Ça, c'est sûr. Et donc, la maladie principale des OT, c'est la cirrhose. Hein. D'accord. Ou les chevilles qui enflent. C'est la goutte. Voilà. Alors toujours un truc qui m'a un peu... J'étais un peu interloqué. Dans le Bureau des Légendes, le principal héros se fait casser la figure. Et dans la formation, on dit qu'ils se font casser la figure sans répliquer. Parce que si vous avez vous battre, c'est que vous êtes un espion. Enfin, en tout cas, c'est que vous pouvez potentiellement en être un. Alors donc, quand on a quelqu'un qui vous agresse dans la rue, vous vous laissez casser la gueule. Non, alors, je vais être dur avec le Bureau des Légendes. Ça n'est pas vrai. On ne fait pas ça chez nous. Donc vous ne vous faites pas casser la figure. Non, parce qu'on sait... si on tiendra le coup ou pas. C'est vrai, mais on tient
peu rarement le coup, on tient peu le coup si on est soumis à la torture. Ça, c'est certain. Non, non, je ne parle pas de ça, moi. Je parle de quelqu'un qui vous attaque dans la rue. Eh bien, vous répliquez, vous mettez par terre celui qui vous attaque dans la rue, c'est que vous savez vous battre. Et donc, vous êtes potentiellement un espion. Alors que si vous laissez casser la figure et sans rien dire, bah, c'est que vous n'êtes pas un espion. Non, on n'en est pas là. On n'en est pas là. Moi, si on est attaqué, on se défend. Voilà. Il faudrait peut-être préciser quelque chose. Quand j'ai regardé les deux séries, oui. D'abord, je regarde la série en tant que spectateur. Bien n'importe sûr. Qui. Les gens qui nous regardent actuellement, bonjour. Je regarde comme vous. Et j'apprécie la chose cinématographique. Le scénario, le jeu des acteurs, les décors, etc. Et pour ça, Le Bureau des légendes, c'est une excellente série. C'est une des meilleures séries françaises. Oui. Et même mondiale, parce qu'elle a été exportée, elle a été traduite. D'accord. Donc elle s'est exportée. Et The Americans, c'est la même chose. Oui. Et après, je regarde la même chose, mais avec mes yeux d'espions. D'accord. D'anciens professionnels de l'espionnage. Et là, je suis d'accord avec François, c'est que c'est du pipeau. Tout est du pipeau. Et donc, par rapport à cette histoire de la force, bien évidemment, personne ne vous bat, personne ne vous torture. Non. On nous explique que la torture. Si jamais vous arrivez à la torture, c'est pas la peine de résister. Vous pouvez résister autant que vous voulez, mais si le tortureur est un professionnel, vous ne résisterez pas. Parce que la torture ne va jamais s'arrêter tant que vous n'avez pas parlé. Et il y a autre chose aussi, c'est que pour les situations de bataille dans les rues, on nous apprend autre chose. On nous dit, il faut savoir ne pas se mettre dans de telles situations. Et y compris, on nous dit que, par exemple, si vous avez une opération clandestine, une opération avec votre source, avec votre agent qui est programmé, vous vous baladez, et il y a une femme qui se fait violer dans la rue, bah, ne jouez pas les Robin Hood, n'essayez pas de sauver la personne. En fait, vous regardez ailleurs parce que vous êtes dans une mission. Donc, en fait, évitez les conflits. Et d'ailleurs, toutes les personnes en Russie, pendant la formation ou pendant la préparation des missions, s'ils se retrouvaient dans le commissariat de police chez nous, déjà, pour quoi que ce soit, ils étaient évancés du service d'espionnage. Ils étaient gardés au KGB, parce que c'est une énorme machine, mais ils étaient évancés dans le service d'espionnage, parce qu'on se disait, c'est pour ça d'ailleurs que Poutine a raté sa carrière, parce qu'à un moment donné, il était rentré à Saint-Pétersbourg pendant la formation, à Leningrad à l'époque, il s'était battu dans la rue, on lui a cassé le bras, il s'est retrouvé au commissariat, et c'est pour ça que Yassenevo, la première direction générale, n'a pas voulu de lui. – Ah d'accord, ok. – Je voudrais faire une parenthèse, oui, si vous avez pu remarquer que Sergueï parle parfaitement bien le français. – Oui, bien sûr. – Sans accent, sauf que tout à l'heure, il a utilisé un mot qui n'est pas français, je m'en excuse, oui. Sergueï, c'est tortureur. Oui. Il aurait dû dire torsionnaire. – Torsionnaire, ça doit être démasqué. Ah, – voilà. J'en conviens. – Voilà. C'est quand même formidable, parce que moi je ne parlerai pas le russe comme Oui, ça évidemment. – Ça me paraît très difficile. Voilà. Donc la torture d'un agent qui revient de mission pour voir s'il a été un agent double, ça n'existe pas. La torture, même dans le service action, on ne torture pas quelqu'un pour savoir s'il est capable de résister ou pas. – Non. On peut le faire dans le service action. On peut le faire, mais à ce moment-là, on le fait à l'étranger, puisque sur son propre territoire, on ne peut pas le faire. C'est, même pour les Américains, vous avez remarqué qu'ils ont créé spécialement la prison au Cuba, chez les Polonais, chez les Égyptiens, parce qu'ils ne pouvaient pas torturer sur le sol américain. Bien sûr. Voilà. Et donc, ils ont délégué la torture aux autres. D'accord. Et on fait des enquêtes sur vous quand vous revenez de mission. Chez nous, ça se fait. On passe chez le psycho, hein. Ça d'accord. Il y a le syndrome du clandestin. Ouais. Il y a le syndrome. Oui. Dites ce que c'est. C'est le syndrome de clandestin. C'est quelqu'un qui s'y prend à tel point qu'il continue à jouer et qui trahit. C'est de la schizophrénie. C'est ça. Oui, mais justement, ça s'est décelé bien avant la mission par les psychiatres. Le schizophrène, moi, je ne sais pas ce que ça veut dire. Non, mais quand on dit schizophrénie, c'est quelqu'un qui pète les plombs. Qui pète les plombs, voilà. C'est arrivé chez nous. D'accord. Moi, je croyais que le syndrome du clandestin, comme on le voit dans le Bureau des légendes, c'est quelqu'un qui, au fond, ne veut pas se départir de sa couverture, si j'ose dire. Il continue de jouer son rôle qu'il joue là-bas. C'est arrivé chez nous aussi. C'est arrivé en réalité, mais c'est le reproche aussi que je fais de mes yeux
de professionnels, d'anciens professionnels, sur le bureau des légendes, parce que le bureau des légendes ne représente que des névrotiques, des alcooliques. Il y a le directeur qui voit les petits bonhommes verts, qui entend des voix, qui... Enfin, c'est quand même un tout petit peu... C'est forcé quand même. Voilà. Les caractères comme ça, normalement, auraient dû être évincés. Absolument. À l'entrée du service. Mmh. Oui, avant l'entrée du service. Mmh. Voilà, oui. Alors, côté sécurité, maintenant, on va parler des mesures de sécurité. Alors, vous racontez que le bureau des légendes, dans le livre, que ce n'est pas crédible. Je fais allusion aux locaux, je fais allusion... Oui. Au fait qu'ils gardent ces papiers, des choses comme ça. Bah là, c'est pas crédible du coup. Hein. Mais ça, je pense que tu allais le dire, mais je vais le dire. Dans le bureau des légendes, ce qui est inadmissible, c'est que tout est ouvert. On voit des écrans partout. Il y a des glaces partout. Vous rentrez dans Open Space et on voit 30 écrans tout de suite. Ça n'existe pas. C'est beau. Point de vue cinématographique, c'est beau. C'est même impressionnant. C'est super beau. Oui. Vous voyez tout de suite le logo de la DGSE. C'est vachement bien. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils l'ont fait. Mais dans la vie réelle, c'est impossible. Non. Oui, mais alors, et le droit d'en connaître, c'est pas le droit d'en connaître. On ne connaît que ce qu'on a le droit d'en connaître. Par exemple, dans les années 80, quand il y a eu l'affaire du Rainbow Warrior, j'étais en France quand ça s'est passé. Hein, c'était dans les années 81 ou 2, je ne sais plus, 81 ou 3. Oui, d'accord. Et j'ai vu un tout petit article c'était dans Le Point, et quelqu'un m'a dit, tu vas voir, cette affaire-là, ça va faire le tour du monde. Effectivement, ça fait le tour du monde. Mais quand je suis retourné en Éthiopie, bien sûr, on m'a interrogé, tous les diplomates, les vrais, m'ont interrogé si j'en savais quelque chose. Ben, on m'avait donné la consigne, si on te parle de cette affaire-là, tu ne sais rien. Effectivement, de toute façon, je ne savais rien. Oui, mais donc, c'était facile. Parfois, croiser les informations, c'est important. Vous suspectez quelqu'un d'être un agent double, vous ne pouvez pas demander à un collègue si c'est un agent double, alors que lui, c'est la centrale qui sert à ça. Là, il n'y avait pas. Vous ne croisez rien du tout. L'information doit remonter. Voilà. Oui, c'est à ça que se servent les analystes. Et les officiers traitants qui sont dans la centrale. Disons ça veut dire l'analyse fait remonter l'information, il la fait redescendre éventuellement, etc. Dans l'ambassade, il n'y avait pas à croiser les informations. Non, c'était de la curiosité, entre guillemets, malsaine. Quoi, c'est ça. Par ceux qui posaient des questions et qui n'avaient pas à en connaître. Moi, vous savez, mieux c'est. Oui, tout à fait. Alors, toujours dans la formation, dans le protocole, on fait allusion à un test du bar, c'est-à-dire que la fille... Marina Loiseau, Giraudot, donc la fille de Giraudot, arrive à un restaurant et son chef lui dit « Bon ben voilà, maintenant t'as un type au bar, là il lui désigne un bonhomme qu'il ne connaît pas, qu'elle ne connaît pas non plus et la personne est une personne lambda, tu dois repartir en connaissant son métier, son numéro de téléphone, ceci, cela, etc. Tu as 10 minutes. Ça arrive tout à fait. Dans les deux services. C'est dans les deux services, oui, on nous met à l'épreuve, on va dire, et on regarde et il y a quelqu'un en dehors de la scène qui observe comment réagit le futur officier traitant. Et il est noté là-dessus. Mais l'officier traitant ne sait pas qu'il est surveillé. C'est un jeu de rôle qui existe dans les deux services. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois, ça. Ouais. Hein. Alors, moi, il y a une question que j'aurais à vous poser, parce que j'ai eu la réponse dans ce fameux livre, que je trouve très bien. Merci. Une question que je trouve formidable. Quel est le motif de trahison pour lequel vous auriez le plus de compréhension? Et vous avez deux réponses différentes. Ça, c'est intéressant. Essayez de deviner. Alors, moi, c'est l'argent et le sexe. Voilà. Pour le sexe, effectivement, j'ai été amené à attirer quelqu'un dans mes retranchements à moi par le biais de comment ça s'appelle? Call girl, c'est ça, call girl. Oui, call girl, c'est ça, oui. Voilà, c'est-à-dire que j'avais la personne qui m'intéressait, je l'avais fait inviter par une call girl pour aller voir pour entrer dans une émission, dans du théâtre un peu porno, vous voyez, Paris. Hein. Et donc, ça marchait très bien, ça, très très bien. Et pendant ce temps-là, on lui faisait ses valises ou son attaché-caisse dans sa chambre, où on ouvrait son coffre. D'accord. Il ne faut jamais mettre... Quelque chose de précieux. Mais ça, c'est pas une trahison. Là, on détourne l'attention du bonhomme. Ah bah oui, mais on détourne quand même. Mais par le biais
du sexe, on va dire. D'accord. L'argent, oui, tout à fait. Je trouve quand même que sa réponse est plus noble, hein, parce que lui, c'est vénal. De toute façon, c'est vénal. Ouais. Il ne faut pas que l'agent aille dépenser cet argent tout de suite, parce qu'il est content, parce que voilà. Oui, mais vous dites carrément que vous, en fait, le motif pour lequel vous avez de la compréhension, c'est l'argent. Bah oui. Et vous pouvez trahir pour de l'argent. Oui, bah, oui. On peut trahir pour de l'argent, oui, bien sûr. Bah, bien sûr, bien évidemment. À condition d'avoir manipulé. Mais effectivement, nous, on misait déjà. Le service disait que la façon la plus sûre d'avoir quelqu'un qui trahit, c'est l'idéologie, c'est quelqu'un qui partage votre opinion. C'est quelqu'un qui s'engage pour votre cause. Et donc, on avait la cause universelle qui était le communisme, vous avez la cause universelle qui est l'individualisme, et donc vous recrutiez les gens de là, avec l'argent chez nous, pour la cause individualiste, et nous, on recrutait les gens qui, pour la cause communiste. Et d'ailleurs, le plus grand exemple dans ce domaine-là, c'est les 5 de Cambridge. Non seulement, ils ont travaillé pour l'idéologie, mais c'est eux-mêmes qui sont venus nous chercher, et c'est eux-mêmes qui refusaient à chaque fois quand le service leur proposait, mais vous savez, on peut vous donner un peu d'argent, comme ça vous réglerez un peu vos problèmes, même la retraite, etc. Ils disaient non, nous on est des communistes purs et durs, c'est notre devoir de communiste de vous aider, et c'est nous qui devons vous payer pour vous aider de faire votre métier. Alors, revenons-en aux deux séries. Toujours une différence entre les deux séries. Dans le Bureau des légendes, qui se veut réaliste, les OT, les officiers traitants, ne font pas d'action chaude, d'opération coup de poing. C'est le service d'action qui le fait. C'est le service d'action, Par contre, dans The American, alors là, ils savent ouvrir une porte en 2 secondes, neutraliser un bonhomme en un geste. Ouais. Ils font des opérations chaudes. C'est faux, parce que n'oublions pas quand même que ça a été tourné pour le cinéma. Donc le cinéma, si on faisait uniquement les choses qui sont réelles, les personnes ne regarderaient ces films. Sauf que nous savons ouvrir les coffres-forts, on apprend. Oui. Après, c'est vrai que nous, on avait le statut de militaire, tous les deux. Oui. On avait notre arme de service qui était dans notre coffre-fort au service, mais on a tiré avec notre arme uniquement au tir, une fois par an, nos 5 cartouches réglementaires pour prouver qu'on s'est encore tiré. C'est tout. On n'a jamais utilisé notre arme, ni toi, ni moi, sur le terrain. Lui, il a porté aussi parce que raconte ce qui est arrivé au Pakistan, mais c'est le pays chaud. Donc, c'était pas une action chaude. C'est pour son autodéfense, c'est de porter quand même une arme. Mais autrement, c'est les spécialistes. C'est la même chose. En fait, dans le service, tout est spécialisé. Mmh. On est des généralistes, bien évidemment. Et le généralisme, c'est quelque chose qui vous aide parce que vous savez pas sur qui vous allez tomber. Donc vous devez connaître et la chose militaire, et la chose politique, et la chose scientifique, parce que si jamais il y a quelqu'un qui vous tombe sur les bras, il faudra que vous réagissiez tout de suite. On peut réagir, voilà. Tout de suite réagissez. Mais dès qu'il s'agit de quelque chose de plus profond, il y a un spécialiste qui arrive. Pour recruter, on a des spécialistes de recrutement. Oui. Pour liquider, on a des spécialistes de recrutement, de liquidation. Et des nettoyeurs. Des nettoyeurs, voilà. D'accord. Voilà. Alors, dans The Americans, les deux espions russes, ils n'ont pas un visage, mais ils en ont une multitude. Alors, ils ont, ils passent leur temps à mettre des perruques, à changer leur look, Parce que c'est du cinéma. D'accord. Et parce qu'ils sont des clandestins. Donc, pour eux, ça a un sens. Parce qu'ils sont sur des missions. Donc, déjà, ils ne sont pas détectables par le service des contre-espionnage. Oui. Ça veut dire qu'ils sont sur le terrain, personne ne sait qui ils sont. Et quand ils exécutent les missions, à ce moment-là, c'est tout à fait naturel qu'ils prennent des décors. Ça existe réellement. Hein. Ça veut dire que vous pouvez effectivement changer complètement des lunettes, etc. Tout. Vous pouvez vous raser la tête, faire pousser la barbe, changer de lunettes, changer de style. Par jour, le type. Mais c'est normal parce que c'est du cinéma. En revanche, vous imaginez bien François qui travaille comme ce premier secrétaire de l'ambassade française en Éthiopie. S'il commence à s'amuser à faire ça, vous imaginez un diplomate changer de mettre les perruques. Donc là, ça n'existe pas. N'est-ce pas, camarade? Absolument. Bon. Camarade. Alors, j'entends bien. On en arrive au sexe dans The... sexe, vie sentimentale, plus largement. Alors, dans The Americans, toujours. Alors, ce sont des gens qui sont un couple d'espions, donc, qui sont mariés pour raisons professionnelles. Enfin, ils ont quand même 2 enfants. Mm-hmm. Hein.
Donc ils ont quand même poussé le professionnalisme, si j'ose dire, assez loin. Ouais. Est-ce que, comme ça, on vous demande d'avoir une activité sentie? Alors, ils ont ça, mais en plus, ils ont des amants. Et ils ont des amants et des maîtresses parce qu'ils leur soutirent des informations. Donc ça existe ou pas? Alors, on vous demande ça? Je vais répondre en premier. On demande de coucher ou pas? Oui, on m'a demandé et j'ai refusé. J'ai refusé parce que c'est une question d'éthique personnelle, c'est la seule chose. Je suis fidèle. Pardon? Je suis fidèle. Je suis fidèle, voilà, exactement. D'accord. Exactement. Et mon épouse est au courant de tout ça. Hein. D'accord. Ah voilà. Bon. Ça, oui, parce que quand même, tout de même. Elle doit être fière. Et, mais c'est sans dire ce que j'allais faire ou quoi que ce soit. Bon. Et le service a très bien compris. Et sinon, personne qui l'a faite. D'accord. Parce que la notion de la famille, quand même, dans nos services respectifs, a énormément d'importance. Ah oui, oui, tout à fait. On attache énormément d'importance à ce que vous soyez normal, le plus normal et le plus mieux posé par rapport à la famille. D'accord. Parce que ça, c'est, ça vous aide. Hein, quand vous êtes, c'est une stabilité. C'est une stabilité émotionnelle et pour le stress et tout. Il y a même des épouses qu'on utilise parfois pour nous aider, même pour les missions sur le terrain. Là, les illégaux, c'est différent. Les illégaux, c'est les gens, d'abord, ils ont la fonction. Donc, on choisit le couple pour la fonction. Donc, le mari, c'est le resident, l'espion. Mmh. La femme, c'est auxiliaire. Donc, la radio, code, chiffrage, etc. En général, dans nos couples. Après, il y a les psychologues qui passent et qui choisissent parmi tous les candidats ceux qui sont adaptables. On fait exactement la même chose pour les cosmonautes et les spationautes. Ah bon ? Quand on envoie quelqu'un dans la station spatiale internationale, oui. Dans les plusieurs agences qui participent, on fait un test de compatibilité. D'accord. Parce que lorsque vous êtes là-bas, dans un truc fermé pendant 2 mois, si vous n'êtes pas compatible et si vous ne vous aimez pas, vous pétez les plombs. Bien sûr. Parce que déjà, entre les voisins, vous savez ce que ça peut donner. Hein, bien sûr, oui. Voilà. Voilà. Et donc, chez nous, il y a les psychologues qui disent « ce couple-là est possible, selon nos critères psychologiques. Mmh. » Après, on vous met en contact, on dit « voilà, nous pensons que votre couple pourrait fonctionner. Qu'est-ce que vous en pensez ?» En général, ils disent, on leur donne un tout petit peu de temps, et ils disent « oui ». Et donc, ils partent sur le terrain, mais ils partent sur le terrain comme collègues. Mais quand vous êtes collègue, vous êtes sur le terrain, mais vous êtes des gens normaux, ça veut dire vous avez des pulsions, etc. Donc, assez logiquement, ça peut arriver. C'est comme un mariage qui se faisait dans le temps arrangé, qui pouvait parfaitement arriver à quelque chose qui fonctionnait même dans la famille. Pourtant, c'est un mariage à arranger. D'ailleurs, vous avez actuellement même des pays, vous prenez un pays comme l'Inde, bah, la moitié ou 2/3 de mariage, c'est un mariage à arranger. Et le pays ne s'écroule pas par rapport à ça. Voilà. Et donc, bien évidemment, ça, on a eu des couples qui étaient organisés comme ça, qui étaient formés par le service. Mais comme les psychologues sont passés devant, donc ils savaient que ça avait beaucoup de chances de fonctionner. Voilà. Donc c'est quand même quelque chose qui est posé. Ça veut dire qu'on ne décide pas comme ça. On dit « Ah tiens, toi et toi, vous allez être un couple ». Ça ne se fait pas comme ça. D'accord. Donc on fait une préparation. Et donc dans cette préparation, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui font que ce couple fonctionne. – D'accord. – Mais je suis d'accord avec tout ce que vient de dire Sergueï. Quand je suis parti aux États-Unis, on m'a donné, on va dire, une très jolie femme pour qu'elle me serve d'épouse, fausse épouse. D'accord. Elle était mignonne en plus. D'accord. Voilà. Bon, mais bon, on n'a rien fait. Bon, d'accord. Bah, et François le regrette. C'est toujours. Tout à votre mais il ne peut pas le dire parce et que, vous son, en parce, pas que la nuit, du coup. Parce que son épouse regarde notre émission. Voilà, d'accord. Donc, ça, c'est. Bon, c'est ça. Alors, est-ce qu'elle a senti ou pas, j'en sais rien. Alors, il y a une chose, pour revenir au livre, il y a une chose dont vous donnez la réponse dans le livre. Il n'y a pas de monsieur Gadget comme Norbon, vous savez, ce monsieur Gadget qui propose des tas de trucs, etc. Si, ça existe. Ça existe. Bon, ça existe. Ça existe. Dans nos deux services respectifs, on a un service technique. On a un service technique qui peut fabriquer n'importe quel gadget. Qui fabrique comme dans James Bond. D'ailleurs, même dans le livre, on dit si on voulait choisir quelque chose qui se rapporte le plus au James Bondry, oui. C'est peut-être ça. Ah bon, alors écoutez. Voilà. En revanche, là, c'est François qui va vous dire que quand on travaille sur la couverture,
on les utilise quasiment pas. Non. D'accord, non. Okay. Non, parce qu'on a il y a pas... des gadgets, mais on s'en sert pas, quoi. Disons ben, qu'ils ne sont, ils sont pas avec nous, forcément, on peut les demander. Bon, le mais sont... au hasard, le parapluie bulgare. Chez nous, ça existe. Avec la seringue poison, c'est ça hein. Oui, seringue ou, qui tire avec une capsule de poison. Non, on ne va pas jusque-là, quand même. Non, quand même pas. Chez nous, si, ça existe. On n'est pas fous. Mais il faut que les gens comprennent que quand vous jouez l'espion sous la couverture diplomatique, vous jouez un diplomate. Donc... tout ce qui n'est pas, vous jouez tout ce qui est normal pour un diplomate. D'accord. Donc un diplomate ne se balade pas avec un parapluie bulgare. D'accord. Donc voilà. En revanche, si vous avez une mission à faire, à ce moment-là, le service peut vous fabriquer n'importe quoi. Et pour notre agent, pour notre source, là, on peut fabriquer des gadgets qui peuvent le servir. Parce que ce que nous expliquons, par exemple, vous avez une source qui travaille à l'Élysée. Oui. Donc, bien évidemment, il ne peut pas sortir avec des valises de documents tous les soirs, les rentrer demain matin parce qu'on les fouille et puis on regarde ce qu'ils transportent. Donc, si on apprend que cette source a la possibilité d'avoir des documents sous ses yeux, à ce moment-là, on lui fera des lunettes avec des caméras. Maintenant, vous pouvez les acheter sur Internet, n'importe qui peut les acheter. Mais on lui fabriquera des lunettes et donc, quand il aura son papier sous ses yeux, donc en fait, elle lira le papier et les lunettes vont scanner le document qu'il a. Et donc, et après, elle va, cette personne-là va rentrer avec ses lunettes qui ressemblent. Enfin, elle va les montrer à la sortie au service de sécurité. Ils ne vont rien voir. On peut vous mettre dans un bouton de manchette, un micro, n'importe quoi. D'accord. Le service comme ça existe réellement. Mmh. Sauf qu'il n'existe que pour le vrai besoin d'une mission. C'est très ponctuel, hein, oui. C'est vraiment très ponctuel. D'accord. Alors, on voit quand même dans le bureau des légendes des espèces de patterns, c'est-à-dire que l'espèce d'ingénieur informaticien arrive à faire figurer des espèces de nuages de téléphones portables. Ouais, de téléphones portables. Il dit que pour chaque attentat, il y a une signature commune et qu'ils arrivent donc à voir si un événement va se produire parce que. C'est possible, mais ça, vous ne savez pas. Non, enfin, franchement, ça, j'ai pas entendu parler. Parce que c'est et qui prend le contrôle également d'un ordinateur de la sécurité sociale pour créer un faux... C'est possible, mais bon, par contre, je n'ai jamais vu, pour parler du bureau des légendes, je n'ai jamais vu un directeur quelconque aller sur le terrain chaque fois qu'un petit truc se passe sur le terrain et qui nécessite un déplacement. Non, le directeur de l'entreprise, de la DGSE, il reste chez lui et il coordonne, mais il ne va pas sur le terrain. Moi, chez nous, les directeurs allaient sur le terrain. Mon général Yuri Rozdov avait... chaque année, plusieurs missions, y compris, il était officier traitant, parce qu'en fait, les sources les plus sensibles étaient souvent traitées par les hauts généraux. Et d'ailleurs, Andropov se faisait plaisir de dire que n'importe quel général doit être capable de retourner sur le terrain quand je lui demande. Pour nous, c'était le principe. Sur votre question par rapport à ce nuage et ces patterns, nous avons servi quand même avant Internet, avant les téléphones portables, ça n'existait pas à notre époque. Oui. Sauf que, par exemple, dans l'antenne de notre service qui est à l'ambassade de Russie à Paris, il y a une antenne du KGB, actuellement il y a une antenne de GRU, GRU, et du SVR. Et dans ce service-là, vous avez des récepteurs et des émetteurs. Bien sûr. Donc, il y a des techniciens, quand vous avez une opération, par exemple, il y a des techniciens qui sont à l'antenne, qui sont en train d'écouter tout ce qui se passe autour de vous. Ça veut dire qu'ils écoutent les flics, les pompiers, tout ce qui est émis dans votre quartier. Et à ce moment-là, en fait, c'est l'avant de ce que vous avez dit. Bien évidemment, déjà, par exemple, vous aviez une oreillette. On n'avait pas d'oreillette, on avait un truc style pager. Donc, ils vous envoyaient un petit message. Donc, vous avez une vibration et il y avait un code de vibration. Si vous avez deux vibrations, c'est danger. Trois, c'est autre chose, etc. Et donc, par exemple, ils écoutaient, ils disaient « Ah, il y a une petite manif à telle place et tu dois passer là-dessus. Il y a les flics qui sont dessus, donc on doit dévier. » l'itinéraire de l'ET qui est sur le terrain. Donc ça existait. D'accord. Et donc on était capable de prévoir, de surveiller déjà ce qui se passait dans la ville. C'est pour ça, c'est ce que je suis en train de vous expliquer, que c'est vrai, mais
Nous, on n'a pas connu ça parce qu'on n'avait pas encore ces moyens. Mais je suis persuadé que, par exemple, à NBA, c'est l'agence d'ailleurs qui a le plus de budget chez les Américains, les CIA, par rapport à NBA, c'est un Lilliput. Hein. C'est Lilliputien en français, Lilliputien, c'est ça Lilliputien, voilà. Lilliputien. Voilà, c'est ça. Et donc, eux, ils sont capables de faire ça non seulement aux États-Unis, mais dans le monde entier. Ils disent qu'ils peuvent, ils sont capables d'intercepter toutes les conversations, toutes. Dans le monde entier et que certains mots déclenchent automatiquement. Des mots-clés. Vous prenez votre téléphone, hein. Vous disiez à l'époque Ben Laden, c'est bon, ça déclenche un truc. Bombe, attentat, ça, etc. Oui. Mais c'est tout à fait vrai, bon, ça. Puis ça existe chez nous, ça aussi. Hein. Ah bon, tout ce que vient de dire Sergueï, c'est vrai pour nous aussi. Moi, je prends mon téléphone, je dis bombe, ça déclenche un truc. Et il y a autre chose aussi. Dire le mot bombe au portable et pof. C'est mot-clé. C'est pour ça d'ailleurs. C'est pour ça d'ailleurs, les terroristes. D'ailleurs, non, je ne vais pas l'expliquer parce que sinon ils vont prendre. Mais c'est, en France, on pratique cette affaire-là tous les jours. Sur Google, vous écrivez n'importe quoi, mon exactement. Nom par exemple. Voilà. Hein, Varou, et bouf, c'est. Tous les textuels mots Varou sortent. Hein. C'est ça. C'est le principe. C'est ça. Mais il y a autre chose aussi, c'est que actuellement, avec les moyens qu'on a, oui. Ils peuvent enregistrer tout, même si ça ne va pas servir tout de suite. Mais ils l'ont déjà fait après la Deuxième Guerre mondiale. Et même pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y avait une opération Venona. Ils ont enregistré tous les récepteurs émetteurs en ondes courtes. D'accord. Tout ce qui émettait en… D'accord. Et après, ils ont mis des années, voilà. Des décennies. Et vers 1950, 10 ans après, ils ont commencé à craquer les codes de tout ce qu'ils ont enregistré pendant la guerre et après la guerre. Et c'est comme ça qu'ils ont failli trouver les noms des agents soviétiques qui travaillaient pour nous, des cinq. Et c'est pour ça, par exemple, Guy Budge s'était obligé d'aller en Angleterre, prévenir MacLean, et ils ont foutu le camp en URSS, parce que les Américains, parce que Kim Philby était aux États-Unis, et il a appris que les Américains étaient sur le point de craquer les codes de ses collègues qui étaient en Angleterre. – D'accord. – Donc, c'est réel. – Alors, deux petites questions, deux dernières questions, parce que j'ai explosé mon chronomètre, là, c'était… – Ah bon ?– Nous, on est là bien pour ça. – au-delà, il y a une chose que je trouvais assez étonnante dans The American, c'est, comment dirais-je, dans The American, ils sont mus par un sentiment patriotique. C'est-à-dire que vraiment, on a vraiment l'impression que ce n'est pas l'argent qui les intéresse, c'est… sentiment patriotique ou idéologique, c'était comme ça Oui, bon, oui, parce que quand on vous envoie pendant des années, voire des décennies dans la mission de clandestinité, on choisit les gens qui donnent leur vie pour la cause. Donc ça, c'est pour notre côté, c'était vrai. Mais malgré tout, on arrivait, on a eu aussi des trahisons. Et d'ailleurs, le service de renseignement extérieur a donné un maximum de trahison des deux côtés. – D'accord. – Et chez les Américains… – Je dis ça parce que la Russie passe pour quand même le pays qui faisait avancer les gens par la terreur, quoi, donc… – Non, ça en revanche, c'est un mythe. D'accord. C'est un mythe parce que dans notre service de renseignement, quand on nous préparait à recruter les sources et les traités, on disait toujours qu'il faut toujours miser sur la motivation positive. – D'accord. – La motivation la plus forte, c'est… positive idéologique, ça veut dire que la personne croit en votre cause et veut vous aider, première chose. Après, l'argent peut marcher puisque c'est positif, la personne veut gagner d'accord, de l'argent, donc du coup vous la payez, donc du coup elle veut travailler encore plus, vous utilisez le truc capitaliste. Et c'est seulement en dernier lieu, on peut utiliser la force, la contrainte ou le compromat pour le compromis. Pour pousser la personne à collaborer, mais on me dit, vous savez, ce truc-là, c'est ponctuel. Ça peut marcher sur un coup, ça peut marcher sur deux coups, mais la personne qui est poussée par quelque chose qui la contraint, trouvera le moyen de s'en débarrasser. Oui. Là, je voudrais préciser une petite chose qu'on peut confondre. On parle d'argent, là. Il s'agit bien de l'argent qui est donné… Pour l'agent, pas pour l'officier traitant. Oui, il a un salaire qui est fixe. Oui, bien sûr. Là, on parle de l'agent. De nos cibles, de nos sources. Voilà. Des personnes qu'on recrute sur le terrain. Parce que nous, on est des fonctionnaires. Bien on est payés, on a nos soldes. Après, si vous faites une belle opération chez nous, on vous donne une médaille.
voir un ordre, et puis on vous donne une prime, et on vous achète une Volga, on vous donne une Dacia, un appartement. Chez nous, ça existe. Non. Alors il y a une question qui est vraiment, il y a une dernière chose que je trouve intéressante, c'est dans The American, on arrive, c'est pendant la guerre froide, et à mon avis, on n'est pas loin, enfin les années 70, je pense, hein. Ça, le système russe commence déjà un peu à penser. Soviétique. Soviétique, pardon. À s'essouffler. Oui. Et donc, il voit que la production industrielle russe est un peu à la traîne, oui. On manque de tout en Russie. Et eux, au contraire, ils voient un pays comme l'Amérique où la production industrielle est naturelle, on manque de rien, elle est presque naturelle, elle s'auto-entraîne. Vous avez vécu ça comment, vous? On vit ça difficilement parce qu'en même temps on est réfléchi, on choisit quand même des personnes qui savent réfléchir, qui savent analyser, donc qui savent faire les bonnes synthèses de ce qu'ils pensent. Donc bien évidemment on voit tout de suite, alors, en fait, c'est pour ça d'ailleurs le service de renseignement extérieur était dans tous les pays du monde, souvent les dissidents par rapport au service de sécurité. Vous allez rigoler, mais vous aviez… La même chose chez Schellenberg dans le SD pendant le Reich par rapport à la Gestapo, et détester la Gestapo et vice versa, hein. Parce que justement comme ils étaient, moi ce que je raconte c'est toujours quand on vous prépare pour aller travailler à l'étranger, donc ça veut dire avec le camp d'en face. Oui. Il faut parler le langage d'en face qui est bien compréhensible sûr. Par les gens d'en face. Donc si vous venez à Paris, commencez à réciter la Pravda, personne ne vous parlerait, sauf les membres du parti. Mais vous étiez communiste à cette époque? On était obligatoirement membre du Parti communiste parce que notre service était le bras armé du Parti communiste. Mais je crois que dans le service, il y avait quasiment personne qui croyait dans ça. Sinon, l'Union soviétique ne serait pas là où il est. D'accord. Ni le Parti communiste. D'accord. En résumé, les deux séries, il faut les voir. Absolument. Excellent. C'est excellent. Excellent. Avec la fiction, mais il faut… Mais c'est une fiction. Avec un esprit critique, comme on disait tout à l'heure. Je dirais, regardez d'abord tel quel. Et appréciez vraiment, parce que c'est des chefs-d'œuvre cinématographiques. Ah. C'est vraiment bien fait. Donc il faut voir The American et Le Bureau des légendes. Et ensuite, il faut lire ce livre, qui est une longue interview qui se lit très facilement, qui est très agréable à lire. Et je vous remercie infiniment. Merci.